Par exemple, pour dire bonjour en espagnol, on dit hola ou bien buenos días. Si je ne le dis pas, par exemple, je suis fier à l'espagnol, je dirais soy contente hablar espagnol. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage d'EcoDev TV. Les applications d'apprentissage de langue ont connu un essor fulgurant ces dernières années. Ces applications permettent aux utilisateurs depuis leur smartphone ou leur tablette d'apprendre une langue de leur choix. Mais qu'en est-il réellement? Est-il possible d'apprendre une langue uniquement avec une application? Suivons plutôt le reportage de Gontran Gamad. J'ai toujours rêvé de devenir polyglotte. Et pour ce faire, il fallait que j'apprenne à parler plusieurs langues. Cela n'était pas possible parce que je n'avais pas de cours particulier qui pouvait me permettre d'apprendre ces langues-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet et j'ai cherché une application qui offre ce genre de formation. J'ai choisi notamment l'espagnol et le portugais. Cette application-là offrait des cours interactifs avec une interface ludique. Et ces petits cours-là me permettaient au fur et à mesure que j'apprenais de développer des compétences dans cette langue que j'ai choisie. Je dois avouer que cette expérience m'a beaucoup apporté parce que j'ai non seulement acquis des connaissances de base dans cette langue qu'est l'espagnol, mais j'ai aussi appris à parler couramment espagnol. Cela m'a permis alors de pouvoir composer dans cette matière facultative à l'examen du bac et d'avoir une très bonne note. Le témoignage de Gontran Gamado nous montre qu'il est réellement possible d'apprendre une langue depuis sa tablette, mais il est aussi nécessaire d'ajouter des cours particuliers. N'hésitez pas à tester plusieurs choix et à choisir une application qui va avec votre niveau et avec votre besoin. Alors qu'attendez-vous? Lancez-vous!